Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture Diamond Painting. Donc celui-ci vient de chez DIY Shoes. Ils me l'ont envoyé le 26 octobre, je l'ai reçu le 4 novembre, donc très rapide. Alors comme d'habitude je vais prendre les produits au pif et puis je vais regarder sur mon calepin et vous dire les prix... etc. De toute façon, tout sera mis dans la description, comme d'habitude, dans l'ordre où je vous les ai présentés. Comme ça, vous vous embêtez pas. Alors, premier produit. On va prendre mes petits ciseaux. Une toute petite toile. Ah oui, effectivement, elle est toute petite. Il s'agit de cette toile-ci. Donc, elle est toute petite. J'essaie de trouver. Panda spéciaux, 3,44 €. C'est pas marqué la taille dessus, mais elle est vraiment pas grande. Voilà. Un peu flou, mais bon, après, une fois que les diamants seront posés, je pense que ça ira, on verra bien. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, en fait, il s'agit de cette toile-ci qui est assez connue. Et là, c'est en diamants spéciaux, du coup. Au niveau du collant, ça colle très bien. Les symboles sont très nets. Comme vous pouvez le voir, les symboles sont très très nets, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a 13 couleurs et il y a la DMC. Ça c'est cool. Voilà. Le toolkit. Toolkit de base avec une petite pince noire en plastique. Elle a le mérite d'être là. Au niveau des diamants, on va regarder ensemble. Alors, dans les tons violets, ici, violet clair, des diamants un peu plus gros, violet aussi, encore plus gros, la même couleur. Un peu marron, ocre, encore du marron, argenté, orange, ouais, un gris. Alors, ces deux-là sont encore dans les tons, ouais, marron. Du noir et du refuchsia. Voilà pour cette fois-ci. Alors, ensuite... Hop, encore une toile, du coup, j'imagine... Il s'agit d'une diamant spéciaux, encore une fois. Alors attendez, parce que je vais cocher en même temps pour être sûr qu'il n'oublie rien, qu'il ne manque rien. Ah oui, je m'en rappelle. Donc diamant spéciaux, il s'agit de celle-ci, pareil, très très connue, hein, vue et revue, mais j'ai trouvé sympa. C'est une 30x30, elle coûte 3,44 €, donc ce qui est raisonnable. Il y a la DMC en haut et en bas. Au niveau du collant, ça colle très très bien. Au niveau des symboles, rien à dire, on voit nickel. C'est très net. Au niveau du toolkit, toolkit de base avec la pince en plastique noir. Oh, je vais essayer de bien de la déplier. Puisse-t-il la voir. Voilà. J'ai oublié de vous dire, mais comme la plupart des sites de DP, c'est
Enfin, c'est les bords inclus. Hein. Donc là, 30 par 30, hop. Ouais, vous voyez, voilà, 30. Donc c'est bords inclus. Donc là, on va dire la toile, elle fait 24 par 24. Voilà. Au niveau des couleurs, on va regarder ensemble. On a du bleu, du rose, un abbé blanc, du violet foncé, du vert d'eau, vert canard plutôt, des gouttes, des toutes petites gouttes bleu foncé, des petites gouttes argentées et des petites gouttes roses. Ça en fait des petites gouttes. Hop, voilà pour cette toile-ci. Ensuite, là encore une toile, j'imagine. Désolée, je vous reprends petite coupure, mon loulou est en vacances, donc évidemment c'est un petit peu plus compliqué pour tourner les vidéos, mais sinon je ne peux pas les tourner. Donc, on allait ouvrir celle-ci. Donc comme je disais, je présume que c'est une toile. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Hop, c'est bon. Alors il s'agit d'un marque-page. Oh, il est trop beau. J'avais craqué dessus. Un petit marque-page en panda. Il est trop mignon. Ouais. C'est un petit peu dommage la bordure. Je sais pas si vous voyez. Il y a un gros rebord noir ici. Mais bon, il est très très beau. Au niveau des symboles, c'est nickel. Au niveau du collant, c'est nickel. Donc c'est en sorte de simili cuir. Hein. On a le petit pompon avec l'espèce de fleur de lotus fourni avec le toolkit avec la petite pince en plastique. Au niveau des diamants, on a de l'argenté, le abbé bleu qui est super beau, du noir, des amandes bleu turquoise, elles sont trop trop belles, et des petites amandes jaunes. Hop. Il est trop mignon. Il a coûté je cherche ma 3,44€. Donc voilà pour ce petit panda. Ensuite, on a des petits stickers d'Halloween. Bon bah du coup. Il est un peu tard, mais c'est pas grave, je l'ai trouvé sympa. Donc je pense que je vais les laisser pour mon loulou ou quoi. Ouais, je pense faire ça parce qu'il adore Halloween et puis au moins ça lui plaît en plus de ça. Alors, voilà, ils sont très bien. Les symboles sont très nets. Au niveau du collant, ça colle très très bien. Tout le kit basique, alors là il n'y a même pas, ah si, j'allais dire, il n'y a pas la cire, il n'y a pas de pince. Et au niveau des couleurs, on a noir, blanc, orange clair, du rouge, jaune orangé, du vert, du bleu foncé et du marron. Hop. Comme d'habitude, je vais mettre en vrac là-bas et je rangerai plus tard. Alors, les stickers coûtent 2,57€. Donc, je trouve ça plutôt raisonnable. Hop. Juste dommage que ça a été plié.
Le bonbon, il est un peu plié du coup, mais bon, je pense que ça se remettra bien au moment où ça sera fait. Voilà pour ces petits stickers Halloween. Donc comme d'habitude, je vais sûrement vous garder quelque chose pour vous, pour un concours. Mais bah, du coup, de toute façon, je ne me rappelle plus ce qu'il y a dedans. J'avais sûrement pris quelque chose, donc je vais voir. Sinon, vous aurez la surprise. Wow. Ensuite, on a ceci. Wow. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Bah alors, je suis pas douée. Hop. Il s'agit d'un petit aimant en fait pour quand vous pliez le papier de votre toile, au moins hop, vous le collez comme ça et ça revient pas sur votre toile. J'en avais pas. De ce coup-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester. Il a l'air bien collé. Hop, c'est un petit cœur tout basique. Voilà. Donc bon, ça, il n'y a rien de... Hein. C'est basique, on va pas s'étaler dessus. Mais je trouvais sympa, j'en avais pas. Donc pourquoi pas. Il a coûté 1,71€. Ensuite, on a... ceci. Alors, ça pareil, j'ai trouvé trop mignon. C'est en, je sais pas, c'est en quoi. Ça a l'air d'être en bois, en espèce de bois. Il s'agit d'un support de téléphone, donc j'ai trouvé ça trop sympa. Donc bon, à mon avis, je vais un peu galérer à le monter. Voilà, en gros, c'est comme ça. Vous laissez bien déborder. Hop, le blanc là, vous le rentrez bien pour que le téléphone tienne. Mais bon, je vais pas le mettre tout de suite pour le peu que je galère après à l'enlever. Ça va être un peu chiant pour moi le faire sinon. Alors, ce petit support de téléphone pendant, il a coûté 3,44€. Hop, je note. Voilà. 3,44€, juste du recto. Mais bon, c'est déjà bien. De toute façon, l'autre côté, on le voit pas. Au niveau du collant, si j'arrive à attraper la petite feuille. Alors, voilà. Ça colle très bien. Les symboles, rien à dire. On les voit bien. Voilà. Hop! On a le tout type de base sans la pince. D'accord. Il y a les petits yeux là. Ils auraient pu les mettre dans un sachet. On a les petits yeux du panda là qui se trimballent. Et on a trois couleurs. Par contre, il n'y a pas de fiche. Donc, bon, bah, le noir, on sait que c'est au noir, quoi. Mais après. Ah oui, si, d'accord. Il y a les symboles, je sais même pas si, voilà. Voilà, vous avez le symbole plus là, et ici, hop, vous avez les moins. Donc, on a des gros argentés, et des petits argentés, et le noir. Hop. Mais ouais, pour les yeux, ils auraient pu les remettre dans un petit pocheton ou quoi. Après, on n'est pas obligé de les mettre, les yeux. C'est en plus, parce que vous voyez, hop. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre les yeux. C'est mis en plus, mais bon, ils auraient pu les mettre dans un petit sachet parce que là, ça peut vite se perdre. Ce qui est sympa, c'est qu'ils les mettent dans des pochettes zippées comme ça. Ça, c'est super cool à ranger. Hop. Voilà pour ce porte-téléphone. Ensuite, on a... Ah, je ne le voyais pas comme ça. D'accord. On a ce petit stylo d'épée, mais je le voyais pas du tout comme ça. Je le voyais beaucoup plus gros et mou. Mais
Voilà. En forme de grenouille. Donc ouais, je le voyais. Là, c'est vraiment du plastique dur, mais ouais, je le voyais plus gros et mou. Pareil, c'était pour mon. C'est pour mon loulou parce que bah évidemment, c'est plus facile pour lui comme c'est gros. Y a-t-il la lumière? Apparemment, il est lumineux. Oui! Et il éclaire bien. Hop, donc pareil, hein, on va pas s'éterniser dessus. C'est un petit stylet classique, lumineux. Il a coûté 1,71€ aussi. Hop. Ensuite, on a ceci. Attention de rien perdre. Hop, donc là vous avez une petite chaînette. Hop, vous allez comprendre pourquoi. Tout le kit de base avec des sachets cette fois-ci. Toujours sans la pince. Mais les sachets, c'est déjà mieux. Hop, il s'agit de cette petite chose-ci. Donc c'est un porte-clés raton laveur à diamanter en recto verso. Il a coûté 1,71€ également. Donc ça va, je trouve que c'est pas excessif sur ce site-là. Alors, bon après c'est pas non plus des grosses choses. On a un gris marron. On a les yeux. On a un orange. On a un noir et un argenté. Ça pareil, ça va vite, c'est bien. Quand on n'a pas envie de s'embêter à sortir tout le matériel, mais qu'on a quand même envie de faire du DP, et ben on se fait un petit truc comme ça. Et c'est très très bien. Hop. Donc voilà pourquoi il y a la petite chaînette. C'est pour mettre un petit porte-clés. Je vous ai même pas dit. Je fais n'importe quoi. Je vous ai même pas dit si ça collait bien et si c'était net. Alors. Ça colle très très bien. Des deux côtés. Et c'est. Hop. Très très net. Voilà. Voilà pour le petit raton laveur. Hop. Et normalement, il reste plus qu'une seule chose. C'est ça. Et on finit par la toile sans le vouloir. Bon, bah comme ça, on garde le plus gros pour la fin. C'est cool. Mais alors, ça ne peut pas s'ouvrir. Hop. C'est bon à l'endroit. Il s'agit d'une toile. Hop. Voilà, comme ça. D'une toile de Noël. Donc, un petit bonhomme de neige. Je l'ai trouvé super mignon. Et c'est vrai que j'avais pas de toile de Noël. À part là où j'ai acheté celle d'Action. Entre temps, mais sinon j'avais pas de toile de Noël. Donc voilà. Elle a coûté 4,04€. C'est une 30 par 40 bord inclus. Donc pareil, pas cher. Hein. Vous avez les mêmes prix sur AliExpress. Et limite, des fois, c'est peut-être un petit peu plus cher. Mais bon. Là, c'est nickel. Il y a autre chose que je voulais vous dire aussi, tant que j'y pense. La TVA, les taxes, tout est pris en charge. Vous n'avez pas de soucis à vous faire là-dessus. Je vous le dis tant que j'y pense. Alors, au niveau des couleurs, il y a 24 couleurs. Et on a la DMC. La toile, elle est toute brillante. C'est super bien. Le collant, c'est nickel. Et les symboles, j'essaie de regarder un petit peu dans le noir, le blanc. Les symboles, c'est nickel, j'espère que vous allez voir.
Et en 30-40, moi qui mets vraiment tout le temps les grandes toiles, enfin, je trouve qu'on voit super bien, quoi, les oiseaux, tout ça, le sapin, c'est super lisible. Hein. Donc à chaque fois, ouais, j'avais peur de prendre des toiles trop petites. Et au final, depuis qu'ils ont... oui, parce qu'en fait, sur ces sites-là, maintenant, ils mettent les layouts, pardon. Donc ça nous permet de voir directement comment on va recevoir la toile et le résultat qu'elle va donner. Et franchement, il y en a largement assez là. Donc au niveau des couleurs, il y en a 24. On va passer assez vite dessus. Hein. Là, ça fait déjà un moment que je tourne. Donc j'espère que je vais pas vous ennuyer. On a du blanc, du violet, marron, beige, noir, un noir gris, ouais, plus gris. On a du gris foncé, du orange, un peu couleur rouille, du bordeaux, différentes sortes de bleu. Là, c'est un bleu très très foncé, le rouge, du bleu clair, du bleu plus clair, du bleu plus foncé. Là, c'est le même. Un gris très clair, orange, ça sort jaune à la caméra, mais il est orange clair, du rouge. Marron clair, encore du gris, du gris plus foncé, du noir et encore du gris. Et il n'y a pas les DMC sur les sachets, mais ils sont ici. Donc de toute façon, vous avez juste à vous référer au tableau et puis vous avez la DMC si vous voulez garder les diamants. Donc quand même, avec tous les articles que j'ai pris, j'en suis ressortie pour 25,50 €. Soit, et il y a 9 articles quand même. Donc 9 articles pour 25 €. Franchement, on est pas mal. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit au début, je vais tout mettre, tous les liens, je vais essayer de mettre dans l'ordre, tous les liens en barre d'infos. De toute façon, même si c'est pas dans l'ordre, au cas où, je note au-dessus du lien de quoi il s'agit. Donc ouais, je vous mettrai tous les liens du site, s'il y a quelque chose qui vous plaît au moins, vous n'avez pas besoin de chercher 20 minutes sur le site, vous aurez tout. Donc écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut !